Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, et bien pour vous donner une petite explication de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Un très très joli oracle. Alors cet oracle, c'est un outil hein, pour développer nos propres capacités. Et il y a plusieurs thèmes dans cet oracle. Il y a notre âme. Dans notre quotidien, n'est-ce pas? On peut être tellement sollicité que l'on n'est plus à l'écoute de soi. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous pouvons avoir l'impression de nous déconnecter de nous. Et nous pouvons faire ou vivre des choses qui n'ont plus de sens. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous n'écoutons plus notre âme. Et avec cet oracle, eh bien, nous allons avoir le soutien pour nous connecter avec nous-mêmes. Nous avons les guides aussi. Nous avons nos guides. Et nos guides sont là pour nous épauler et nous soutenir, et surtout pour nous protéger. En tous les cas, ils ne sont pas là pour être nos serviteurs, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas là non plus pour nous apporter tout ce dont nous avons envie, car nous avons encore le libre arbitre. Et par moment, eh bien, nos envies peuvent être différentes de nos besoins. Nous pouvons aussi avoir l'impression de ne pas voir ou de ne pas comprendre leurs signes. Et avec cet oracle, eh bien, nous pourrons nous connecter avec nos guides. Avec cet oracle, vous pouvez poser des questions, n'est-ce pas? Et vous allez avoir une réponse. Alors, il y a aussi la troisième partie, sont les entités, hein, qu'on appelle, les entités, elles peuvent être directement, eh bien, attachées à nous, que ce soit en lien avec cette vie ici, que nous avons ici sur Terre, ou alors une vie précédente, elles peuvent être attachées aussi à un lieu, à un objet ou à une autre personne. Elle peut aussi être complètement étrangère. Et ces âmes ont parfois besoin de transmettre un message. Donc, ces entités ont besoin de nous transmettre un message. On peut aussi avoir une information. Avec cet oracle, nous pouvons demander et nous pouvons aussi transmettre. En tous les cas, avec cet oracle, nous avons le soutien pour nous connecter avec ces âmes. Eh bien voilà, petite explication, n'est-ce pas, de l'oracle de la voix des âmes. Je vous souhaite une belle journée, à tout bientôt. Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Dans cette nouvelle semaine, et nous commençons le mois de mai. Nous sommes lundi 1er mai 2023. C'est la fête du travail, la fête du muguet, c'est ma fleur et je vais me souhaiter un bon anniversaire. J'espère que vous passez un magnifique week-end puisque c'est un week-end un peu plus long puisque lundi jour férié, n'est-ce pas, aujourd'hui, et que vous allez toutes et tous bien. Alors pour commencer ce mois, eh bien j'ai pris l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et nous terminerons par la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Avant de commencer,
mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Encore une fois, je vais me répéter, tout passe par la pensée, n'est-ce pas? J'ai pigé aujourd'hui dualité. Alors ton âme, qu'est-ce qu'il vient te dire? Qu'est-ce qu'elle vient te dire, pardon? C'est féminin, n'est-ce pas, âme? Une âme. Qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette âme, sur la dualité que tu vis présentement? Pour certains d'entre vous encore, soyez bien à l'aise de prendre ce qu'il vous convient de ce que vous vivez. Hein? Tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu es vraiment dans une dualité. Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez prendre une décision le matin et vous focalisez sur une autre le soir même. Parce qu'il y a, vous êtes en dualité. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus. Ou, si tu m'entends très mal, n'est-ce pas? Et pourtant, je t'envoie de très nombreux signes, mais peut-être que tu ne les captes pas, ces signes. Et en plus, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Tu n'es pas réceptif en ce moment. Eh bien, pour certains, le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées, parce que vous ne savez plus où vous en êtes. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi, n'est-ce pas, eh bien t'empêche d'être dans un calme intérieur. Et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité, eh bien, elle n'est pas là par hasard. Hein? C'est la connexion que tu as avec ton mental et avec toi-même. On t'invite à méditer, à bien respirer, à te reposer. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas devoir faire. Parce qu'il y a des choix à faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire. Et il n'y a que toi qui puisse les faire. Alors, tu dois te faire confiance et fais-nous confiance. Tes guides, eh bien, tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure, n'est-ce pas? Et les événements imprévus sont nombreux. Et tu es toujours dans une forme, eh bien, d'hésitation. Pourquoi? Tu attends qu'un signe extérieur prenne une décision à ta place. Car tu n'oses pas te faire confiance. Et tu n'oses pas faire le premier pas. Pourquoi? Et cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, eh bien, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de toi. Comment te sens-tu à l'intérieur de toi? Tu es capable de t'affirmer, connecte-toi à ton chakra sacré.
pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. L'entité, eh bien, ma vie a été faite de dualité, j'ai toujours hésité entre deux situations, deux relations et deux chemins différents. Je n'ai pas osé choisir par moi-même. Je n'ai pas forcément fait confiance à mes émotions. Et cela pouvait créer aussi une grande dualité avec moi-même et donc forcément avec les autres, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à canaliser mes émotions, donc j'étais dans une forme de lutte. Et cette lutte a pu se refléter dans ma vie extérieure. Cette lutte a pu créer comme un feu intérieur. Aujourd'hui, je suis libérée de cette dualité et je suis dans une énergie de sérénité. J'ai compris que c'est en me connectant à mes émotions que je suis alors mon propre guide. J'ai compris que les choix se font par nous-mêmes et non par les autres. Alors, comprends cette dimension de dualité, sois dans le pardon et ouvre-toi à la belle personne que tu es. Ça, c'est ton entité qui te parle là. Hein? Donc voilà, il y a quelque chose que vous devez vraiment équilibrer, parce que ce que vous êtes à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur de vous, et vous avez une dualité à l'intérieur de vous, ce qui se reflète à l'extérieur de vous, et ça vous empêche d'avancer bien normalement. Alors on termine avec la guérison des 5 blessures, et j'ai pigé trahison. Aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation, comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Wow. Voilà un message qui en dit long, n'est-ce pas? Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.